Bonjour à tous, première vidéo de Julien Découvre de l'année. On est début mai, la saison des morilles touche à sa fin. Pas beaucoup de succès pour moi cette année, je partage quand même quelques images avec vous, on va commencer par ça tout de suite. J'ai été la semaine dernière dans le Vercors, j'ai trouvé quelques morilles coniques, je partage ça et puis aujourd'hui ben, on va voir ce qu'on trouve. J'ai oublié ma caméra, donc on va tout faire au téléphone. Et bonne nouvelle, on n'est pas bredouille cette fois. C'est la première fois que je viens cette année. Regardez. Vous la voyez là? Fais attention où on marche. Waouh, elle est superbe. Elle est à côté du couteau. Et mon doigt. Excellent. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Trop bizarre. Bon, c'est pas encore l'orgie. Après ma première morille, je viens de marcher 10 minutes. Regardez ce qu'on trouve ici. Une jolie morille conique avec ses alvéoles alignées dans le sens du chapeau. Il continue à pleuvoir. Et si je remonte un tout petit peu, on arrive celle-ci, un peu plus jeune. Respectable déjà. Allez, ça se ramasse. Bon, je suis certain que je rate les trois quarts. Mais bon, j'en trouve quelques-unes. Allez. Ici. Jolie. Oh, lève la tête. Et on va s'il y en a pas une qui dépasse. Celle-ci, on va la ramasser. Petite salamandre. Voilà, on est de retour le 6 mai. On est toujours dans le Vercors, pas très haut en altitude. Vraiment dans les premières pentes du Vercors. Il y a du lierre partout ici, on trouve des Saint-Georges. Voilà, regardez, commencez déjà à en enlever quelques-uns. Mais si on regarde un petit peu, on en a ici, on en a là, partout ici, là derrière. Ça va jusqu'au là-bas, je crois que j'en ai vu, mais au bord d'une jolie clairière. Où est-ce que j'en ai vu encore? Ah, allez. Hop! Superbe. Regardez. Beaucoup de fraises des bois. Pour revenir. Allez hop. Et là. Il est très joli. Tu es parfait, la bonne taille. Bon, j'ai totalement changé de coin. J'étais assez bas tout à l'heure où j'ai trouvé les tricolomes de la Saint-Georges. Je suis monté beaucoup plus haut. On peut le voir. On peut le voir ici, je suis environ à 1400 mètres d'altitude. Je me suis dit que j'allais voir s'il y avait des morilles coniques. Et je suis assez content, c'est un endroit que je n'avais jamais prospecté. Et hop, je vais venir là. Allez. Oh là là, pas jeune hein. Ouh.
peut-être un peu tard. Hein. Mais typiquement, ça c'est vraiment le biotope que ça aime bien. Pas de l'humidité peut tomber quand il y a des précipitations. Quand il y a un peu de chaleur, ça prend direct, on voit le calcaire du Vercors. Ça aime bien. Voilà, ben continue à prospecter et puis je vous reprends si je trouve quelque chose. A tout de suite. Toujours dans les bois du Vercors. Un indicateur que c'est la période des morilles, un champignon qui pousse à la même période, c'est la Pésis veinée, qui est un comestible apprécié par certains. Celles-ci sont assez grosses, c'est de la même famille que les morilles étant, étant considérées comme un agglomérat de petites Pésis. Voilà, c'est des polypores, cette souche. On continue, on perd pas espoir. On retourne chercher les morilles. Toujours une seule morille. Toujours à air bouilli dans le Vercors. Regardez, il reste des hygrophores de Mars. Ils sont tardifs, ça. Hein. Très bon, ils iront très bien avec les Saint-Georges. Voilà, récolte assez maigre aujourd'hui. J'espère toutefois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.